Good morgen, allez, Idan les sutra aujourd'hui, les Lonishmat Raester Bat Miram, ainsi que les Rufuat, Olevi Israël Shimon Ben Raester, Khamshad Mirabat Ruzelena, Abin Min Ben Khmin Babtor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude de Mishnah, comptez que le sacré est éternel, nous allons le Sechet Rouvin, Perek Yud, Mishnah Dalet. Ziz Shelifne Chalon, Notnin Alav, Venotnin Mimenu Beshabat. Omed Adam Birshut Ayachid, Omed Altel Birshut Harabim, Birshut Harabim, Omed Altel Birshut Ayachid. Bilvad, Shelo Yotzi, Chutz, Mearba, Amot. On découvre encore une nouvelle situation. Si vous avez remarqué un petit peu le fil conducteur de toutes ces Mishnayot du Perikyo de Eruvin, on a fini avec les sujets compliqués de Eruvin, définir les domaines, savoir comment est-ce qu'on s'associe. Ça y est, maintenant on va parler plus les différentes situations où on doit faire rentrer des choses du Roshut Harabim, Roshut Harid. Ouais, on est plus concentré sur les Ilchototza en fait concrètement. Et je commence par traduire Ziz Shelifne Chalon, un rebord qui est devant une fenêtre. Notnin Alav Venotlin Mimenu Beshabbat. On pourra poser dessus et reprendre ce que l'on pose pendant Shabbat. Soit, j'habite, j'ai ma fenêtre qui donne sur le Rishut Arabim, et moi, ma maison, c'est le Rishut Arachid. Donc si jamais je prends quelque chose de chez moi et je le jette par terre dans la rue, je transgresse un interdit de la Torah de porter du Rishut Arachid, donc je vais mieux. La question maintenant, elle est de savoir, il y a un petit rebord à côté de ma fenêtre, quand j'ouvre la fenêtre, de dehors, j'ai un petit rebord, une pierre qui dépasse, une petite planche de bois, ou quelque chose comme ça, qui n'a pas une largeur de 4 tefar, qui n'est pas considéré lui-même comme un Rishut Hayachid. Il est plus considéré comme un peu un Makom Ptour. La question est de savoir, est-ce que j'ai le droit de prendre des objets de ma maison et les mettre dehors? Ouais, je les pose là-bas, il y a des choses que je pose là-bas pour qu'ils s'aèrent, pour que je ne sais pas. Ça m'arrange de le mettre là-bas. Donc du coup, est-ce que j'ai le droit de le mettre? Et la Mishnah me dit, j'ai le droit de le faire. Et on va prendre plusieurs restrictions dans le Martenora. Mais d'abord, Ziz Shelifner Chalon, un rebord qui se trouve devant une porte. Notnin Alav, tu pourras poser dessus. Et Notnin Memeno Shabbat, tu pourras reprendre aussi les choses que tu as posées dessus pendant Shabbat. Le Martenora et le Chidouche, en fait, il est que puisque le rebord il est au-dessus du distéphar du Rishut Harabim, il n'est plus considéré comme le Rishut Harabim. Donc imaginez que vous avez une fenêtre cette fois-ci qui descend en dessous des distéphars. Vous avez un rebord qui est plus bas, par exemple. Vous ne pourrez plus poser dessus parce que ce rebord-là, il sert aux passants du Rishut Harabim. Il est considéré lui-même comme un Rishut Harabim. Si vous posez dessus, vous risquez de transgresser l'interdit de la Torah, ou au moins Midera Banane, on ne va pas entrer, ça dépend s'il a une largeur de 4 tefarim ou pas, pour être un Makom Khashuv. Mais en tout cas, il est déjà apparenté au Rishut Harabim. Mais là, puisque vous êtes au-dessus des 10 tefars, donc au-dessus de 1 mètre plus ou moins, 1m20 de après le Khazonish par exemple, eh bien, il est plus considéré comme un Rishut Harabim, il peut être considéré comme un Makom Ptour, et on vous permet de l'utiliser depuis votre fenêtre sur ce petit rebord. Le Bartenora nous dit attention, on ne parle que d'ustensiles, que si toutefois ils vont tomber, ils vont se casser. Par exemple, un objet en verre, que s'il tombe, il se casse. Par contre, si c'est un objet qui est solide, t'as mis un sac de ce que tu veux, un sac de plumes ou de. C'est un coussin que tu l'as mis là-bas, que s'il tombe par terre, tu vas le ramasser, tu vas le remettre. Alors là, je ne vais pas te permettre de le poser dessus. Pourquoi? Parce que si ça va tomber, tu risques de le ramasser machinalement et transgresser l'interdit de porter du Rishut Harabim au Rishut Hayachid. Deuxième partie de la Mishnah. Omed Adam Birshut Hayachid, Omed Taltel Birshut Harabim. Un homme se tient dans le domaine privé et déplace des choses qui se trouvent dans le domaine public. Ou inversement, Birshut Harabim, il peut se tenir dans le Rishut Harabim, ou Metaltel Birshut Hayachid, il pourra déplacer des objets qui se trouvent dans le Rishut Hayachid. Avec une condition, Bilvad Shalotzi, Chutz Me'arba Amot, à condition qu'il ne fasse pas sortir l'objet de ces 4 Amot. Soit, d'abord, on reste avec la situation de ma fenêtre qui donne sur la voie publique, j'habite au rez-de-chaussée. Il y a un objet posé dans le Rishut Harabim que je réussis, moi je suis dans le Rishut Harid. Un balai posé dans le Rishut Harid, il y a le manche comme ça qui est là, je vais prendre le balai et le mettre là-bas de l'autre côté. Est-ce que je suis en train de regarder, je suis en train de porter dans le Rishut Harabim? Est-ce que ça s'appelle que je porte dans le Rishut Harabim ou pas? La réponse elle est, tu pourras le faire, à condition que tu ne le fasses pas sortir l'objet des quatre amotes du Rishut Harabim. Soit, porter dans le Rishut Harabim, c'est déplacer un objet de au moins 4 amotes. Dans le Rishut Harabim, vous vous rappelez, l'interdit de porter Shabbat, c'est interdit de porter du Rishut Harid au Rishut Harabim, du Rishut Harabim au Rishut Harid, ou même 4 amot dans le Rishut Harabim.
D'accord? Faire passer d'un domaine dans l'autre, ou même, à l'intérieur même du Mérushit Rabim, déplacer un objet à plus que 4 amot. D'accord? Si vous prenez 50 cm plus ou moins, ça fait de l'équivalent de 2 mètres. Faites sortir un objet de 2 mètres. Du coup, la Mishnah Léa m'enseigne, et après j'expliquerai le chidouche de la Mishnah. Elle me dit, tu sais, s'il y a par exemple un balai, donc moi je suis à ma fenêtre, je vais prendre ce balai et le faire passer de l'autre côté. Je peux le faire à condition que le balai ne va pas sortir de, au-delà des 4 amotes. Parce que s'il sort au-delà des 4 amotes, ça veut dire que j'ai porté le balai. Mais s'il ne sort pas de ces 4 amotes, je n'ai pas porté le balai. Bien qu'au moment où je le soulevais moi-même, je suis assis ou debout dans le Rechuta Yachid. Donc en théorie, dès que je le soulève, apparemment l'objet il est plus apparenté au Rechuta Yachid, dans le domaine privé. Malgré tout, non, on va selon l'objet. L'objet il était dans le Rechuta Rabim, il reste dans le Rechuta Rabim. Et inversement aussi, je peux le porter si. Je suis dehors, maintenant moi je suis dehors, mais par ma fenêtre j'ai envie de prendre un objet qui est posé là et le mettre de l'autre côté. Je pourrais aussi le faire, et cette fois-ci, je suis plus limité par les 4 amot, comme ça le Tosfot Yom Tov explique. Je suis plus limité parce que l'objet, concrètement, il est resté dans le Rechuta Yachid. Le chidouche de la Mishnah, comme nous le dit le Bartanoura en fait, c'est que j'ai le droit d'agir à partir d'un domaine, agir dans l'autre domaine, même si je ne sors pas complètement. On apprendra dans la prochaine Mishnah plusieurs situations où, par exemple, je veux boire dans le Rechuta Yachid, depuis ma fenêtre, je suis dans le Rechuta Rabim, je rentrais ma tête dans ma maison et boire de l'eau. Là, il va falloir que je fasse entrer ma tête et Rochot Verubo, tout mon corps, jusqu'au, je sais pas, peut-être plus bas que le nombril, il faudra que je rentre entièrement dans, dans le Rechuta Yachid pour boire, comme son expliquera, de peur que machinalement je vais rapporter le verre. Je vais le sortir dans le Rechuta Rabim, donc du coup, je vais transgresser l'interdit de porter le Rechuta Rabim, le Rechuta Rabim. On verra ça dans la prochaine Mishnah. La Mishnah, pour le moment, elle est venue me dire ça, que ce que tu apprendras à une restriction, c'est vrai pour les objets que tu as un risque de les faire entrer chez toi. Mais la chose que tu déplaces dans l'autre domaine, sans aucune raison que tu le fasses entrer chez toi, tu peux le faire, juste veille à ne pas le faire entrer chez toi, comme la Mishnah me dit à la fin. Bilvad, je le sais, mais. Non, c'est comme la Mishnah ne le dit pas. Juste, donc tu pourras déplacer d'un côté à l'autre, juste avec deux restrictions, donc. Tu ne déplaces pas plus que 4 amotes si l'objet est un objet de Rabim. Et aussi, tu veilles bien sûr à ne pas le faire rentrer chez toi, parce que tu le fais rentrer chez toi, et tu penses que ça l'interdit de porter le Rechuta Rabim ou le Rechuta Yachid ou un autre. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.